Hey hey, salut à toi, salut à toi, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rogue Joue à Elden Ring Shadow of the Erdtree! Youhou! Repartons à l'aventure, compagnon. Je suis en train de me dire par contre que l'ennemi qu'on va faire là n'est en aucun cas sensible à la parade. Donc je pars pas gagnant là avec mes talismans équipés actuellement, mais bon, c'est pas grave. En même temps. On sait qu'on va pas le faire comme ça, donc ça sert à rien d'y aller, de mourir, et puis après de changer d'arme. On va y aller comme ça, direct. Voilà. T'embête pas. Tac. Qu'est-ce qu'on veut mettre d'autre? Excellente question. Qu'est-ce qu'on veut mettre d'autre? Pour une grosse baston. Pourquoi pas, on sait qu'on va bouffer de la fiole en veux-tu en voilà. Et c'est quoi ça déjà? Ouais. Qu'est-ce qu'on met d'autre quand on équipe ce machin? Si, les compétences, parce que la lame de glace, c'est une compétence. Donc l'armure que j'ai trouvée, elle était quelque part là. Je sais même pas si je l'ai montré, cette armure, pardon. C'était ça. Voilà. Petite armure de cuir des montagnards qui chasse l'ours. Voilà. Ça grogne derrière moi, on bouge. Et donc, cet ennemi, ce fameux ennemi, c'est lui. Ah, du coup, je peux les appeler. Allez, meuf, on y va! Oh, c'est trop classe! Oh, elles sont trop classe! Oh non! C'est un énorme nounours, il tape super fort. Voilà! Et il s'arrête jamais, apparemment. Et il met du saignement, bien sûr! Les filles, vous êtes où? Oh! Vous êtes là. Touche. Oh, l'onde de choc. Ralva, grand ours écarlate. Très bien, tout un programme. Tiens, dans les fesses. T'es en train de déforester, mec, arrête! L'onde de choc. Ok, je suis assez loin, très bien. Tout ça. Ça crie fort. Ah mince, il a appelé les autres nounours. Ah, il est tombé. Allez, fille, hein, on le démonte pendant qu'il est par terre, s'il vous plaît. De choc. Non, c'est bon. Allez, y a Jojo qui est morte. Tu le... Oui. Et grenouille ours. On a sa peau. Ok. Les incantations de ce que certains appellent en plaisantant la communion ursine, c'est-à-dire. C'est les mêmes incantations que nous donne l'autre, là. Le faux maniquette. Cette peau non traitée, gagnée à la fin d'un affrontement sanglant, est juste ce qu'il faut pour transformer un guerrier en véritable ours sauvage. Super. Et ben voilà, ça c'est fait. Hop, je peux enlever mon petit marqueur. Et donc maintenant, le géant de feu. Et après on est au propre. C'est pas mal d'ailleurs mon double espadon pour le géant de feu, je peux balancer les projectiles de glace du coup. Enfin, un seul espadon serait aussi bien, tu me diras, mais... Du coup...
Tac. Est-ce qu'on peut mettre de la fabrication en raccourci pour le refabriquer plus vite? Je suis pas sûr. Ah, ici, je pouvais pas invoquer. Ah, faut tuer tous les loups d'abord, mince. Bah tant pis. Alors, on va tuer tous les loups. Vous en voulez aussi? Paf! Qui d'autre? Toi? Paf! Qui d'autre? Toi? Oh, il recule, il recule. Mais eux! Je n'étais pas obligé d'être 100% bourrin. Tu peux être que 80% bourrin. Je pense que ça marche quand même. Il est trop loin, hein. Est-ce qu'on peut l'appeler avec ça? Ah, mais c'est pas. C'est pas ici qu'on s'était mis, espèce de patate. T'avais déjà tué les loups et t'avais déjà dit c'est trop loin. Donc on va pas là, on va plus bas. Et on y va avec, avec le seau spirituel en plus. Oui, bah oui. Comme ça en plus ça aggro le méchant, cadeau. Ah. Mais là t'es loin monsieur là. Hein. Qui me font se lécher. Ah, là 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 là, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Mince, j'ai utilisé un pot pour rien. Attention, il va faire le bras. Bras. Tiens, dunk. Dunk. Alors je sais pas à quoi je m'attendais, mais à mieux que ça. Très clairement. Ah, ça chauffe. Bon. Tu remets ça, parce que ça va partir bientôt, puis au moment où tu vas taper, c'est cool. Mais on va jamais y arriver à tuer ce machin. Oh, c'est trop loin en plus pour que je touche, mais non, mais non, mais non. Oh. On s'en fout. Dégoûté. Donc je trouve une magie qui fait pleuvoir. Je ne vois pas comment je tue ce truc qui a des pieds insensibles. Surtout vu qu'il fait tout le temps en boucle cette attaque où il met 50 boules de feu à l'écran. Et soit t'es sur ce caillou et il fait ça et le bras et ça et le bras, soit t'es pas sur le caillou et il fait que les projectiles en boucle, parce que très pénible. On fera ça une autre fois, c'est pas grave. Tac, enlève ça. Et quand même, Juju, t'es pas obligé de jouer tout le temps comme un bourrin. Essaye, essaye, la parade, c'est notre objectif. C'est notre projet! Le dernier, il est en bas. Ok. Et ben, maintenant qu'on a fait ça, ou pas, du coup. Maintenant que toi, tu fais A1. La question, c'est, est-ce qu'on va explorer cette zone-là, ou est-ce qu'on, enfin, par où on va explorer cette zone-là, en fait, c'est ça la question. Soit on passe par ici, soit on passe par là, soit on passe par là. Et vous savez quoi? Comme ça, je l'ai fait en off, on va se le faire maintenant. Ça sera fait. Ça va rien de faire durer le mystère. Ouais, c'est juste là.
Ouais, quand même, souvent, ces machins bleus, ils gardent des petits secrets, hein, t'as vu. Bif. Et donc, ouais, là, il y avait une petite esquille d'arbre monde. D'arbre occulte, pardon. Là, il y a une plantouille. Oups. Là, il y avait des petits parfumeurs qui gardaient une magie qui est soin lointain. Une incantation, pardon, qui est soin lointain. Qui est, je pense, utile que en coop. Et là, on a une petite zone de marée empoisonnée où j'ai pas trouvé grand-chose quand je l'ai traversée. Je vais quand même faire l'effort de re-regarder, mais. Ah, il y a quand même ça en bas. Ah mince, comment on va en bas? Ça a l'air hyper intéressant. Comment on y va? Par là. Par là. Non, peut-être pas. Peut-être qu'on va revenir en arrière après être passé par là-bas. Il y a une grâce qui vient d'une grotte, donc probablement on va continuer de descendre et on va revenir après. Ok. Ça fait un moment que je vois ce château sur la carte. Ah, mince. Vous l'avez vu subrepticement sur votre droite sur la carte. Bah, ça doit être comme ça. Ok. Et bon, on va faire ce château, pourquoi pas. Si on trouve le chemin. Et donc là, on arrive tout en bas du grand pont qu'on a traversé avec le sage de feu au bout, je ne sais plus comment il s'appelait. Et je me suis arrêté. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oulala, il faut arrêter de déconner. T'as trop exploré, mon GG. Aïe. Qu'est-ce que tu... Mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Mais Juju, mais enfin, on s'empale pas sur les pics. Ça serait une excellente source d'XP pour la parade, ce truc. Y a un scarabée! Non, reviens, 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 reviens! Non, 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 non. Ah, c'est tout? D'accord. Hé, toi, je te pars. Trop tôt. Yeah! Oh! Comment on appelle, des chimères? Vous, je pense pas que je puisse vous parler, hein. Ah oh. Ow, 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 ow. Je suis en train de recueillir dehors des ennemis derrière moi. Cessez. J'en ai une idée. Comment c'était nul? Alors, excusez-moi, mais est-ce que... Est-ce qu'on pourrait arrêter de me pilonner avec des plumes? Apparemment pas. Ok. Apparemment, je me fais pilonner avec des plumes et les balles joie. Eh ben, très bien. Ça me fait une jolie tête. Plumeau. Donc plus loin qu'à un autre endroit de mon anatomie. Voilà. Bon, les parades, on a dit. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton aussi. Oh, la hache, ça va être chiant à parer, hein. Avec ses coups de pied et tout, là. Ah, il y en a d'autres. On va tuer le mec qui a la hache, mais il est saoulant. Ah, bon. Ah, la lance, c'est super facile, ça. Ça aussi, c'est... Oh non! Seul con! Pardon. Ça, c'est trop pas du juste. Normalement, quand... Le but de la parade, c'est aussi... Oh, trop tôt. C'est aussi d'avoir des petits temps d'invincibilité quand il y a un groupe d'ennemis. Mince. Ah, il est vraiment très retardé, celui-là. Raté. Ah,
Ça bouge, on appuie. Schlup. Slurp, slurp. Ok. Bien. Ça a rentré, hein. Alors, mal à la tête à la fin, pour me prendre des coups dans la gueule, mais ça va rentrer, moi je te le dis. Tout un tas de petits bouffons. Oh, il y a un scarabée. M'en fous. Je crois que ça se part, ça. Ça se tente. Trop tôt. Oh là là là. Il larme pendant 200 ans son coup. Trop tôt. Ah, trop tard. Ah, Juju. Fais au moins le timing de roulade correctement. Voilà. Cool. On va pas les deux en même temps là. Raté. Oh. Pas sûr que le coup de tête puisse être paré. Voilà. Et toi. Oh, il s'est tout loupé. Trop tard. Eh bien. Trop tard. Trop tôt. Trop tard. Oh, beaucoup trop tôt. Patience, patience, patience. Trop patient. Yes. Bon, je le vois le timing. Donc ça va rentrer petit à petit. Ça, c'est cool. On n'est plus dans les parades un peu au pif. Oulala, c'est maintenant ou pas? Non, je le vois très bien. Sur ces ennemis-là, en tout cas, clairement, les petits ennemis de base, ils ont des timings hyper pesants. Donc ça va être plus simple d'apprendre sur eux. Ah non, c'est vrai. Lancer multiple. Mmh. Tout un programme. Je vois là-haut les gars. Après forcément ça me prend beaucoup plus long, beaucoup plus de temps de gérer les. Ça ne marche pas, Juju. De gérer les ennemis à coup de parade. Mais c'est si cool à faire, franchement. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Alors, ma parade peut stopper les sorts, mais pas les projectiles comme ça. Ah mince, j'ai oublié de changer de posture. Moi aussi j'ai des projectiles. Tocard à plume. Ah, ce que je lui ai mis. Je parle de l'injure, bien sûr. J'entends un petit scarabée encore. Ah, trop tard. Yes. C'est trop cool. Je suis trop content d'avoir osé tenter les parades dans Elden Ring parce que c'est vraiment très sympa à faire. Certes, ça force à l'humilité parce qu'on va pas y arriver tout le temps. Mais c'est quand même trop cool. Ah, je te vois là-haut, je te vois là-haut. Petit, petit. Non, mais lock-le. À quelle distance ça envoie ça? Merde. Oh vas-y. Deg. Alors sinon j'ai ça. Avec ça en général je snipe pas mal. C'est autant la position du perso que la caméra qui fait ça. Je crois que j'ai tourné un peu trop. Yay! Ah non, mais non, mais non! Mais non, mais non! Crotte! Non! Non, non, non! Ah! On l'a perdu!
Ouais, en plus j'ai plus de dext, alors je peux plus équiper un arc pour ça. Enfin, je peux plus, c'est pas très intéressant. Ouh! Peut-être la caverne qui nous amène là où on veut aller. Et bah, c'est le bout du chemin, hein. Très bien, donc bah, on va dans la caverne, là. Enfin dans la mine. À un moment, il faudrait qu'on aille de l'autre côté juste pour choper la carte, parce que c'est moche la carte grise là. Allez, plein d'ennemis apparaît, s'il vous plaît. Une mine. Mine de la forge de Taylor. On y va. Ah. Vraiment bizarre quand même hein, ces messages dans ces donjons là. Ça fait limite mais complètement hors de propos de la part d'un jeu FromSoft. Surtout que c'est bah, je suppose que c'est pour les mêmes golems que la dernière fois où le truc est énorme, brillant, enfin même dans Mario, dans Zelda, les points faibles des boss sont pas si évidents quoi. Après, clairement, ça va pas être des monstres qu'on va parer, je pense. Donc, on va se faire ça comme ça. Parce qu'en plus, le givre, enfin la congélation sur ces ennemis de feu, ça devrait être pas mal. On peut le penser en tout cas. Là, je crois pas que les coups soient élémentaires en soi. C'est juste que ça met congélation. Et après, quand je fais le. Ah, il me faut des pierres de forge sombre 3. Parce qu'actuellement, je ne peux pas mettre une arme spéciale niveau 10. J'ai tout utilisé pour mettre ces deux espadons niveau 10. Niveau 10, c'est le cousin de numéro bis. Tralalol. Ah oui, pardon. Et ils ont une gemme sur les fesses, quoi. Je veux dire, d'où t'as un message qui te dit viser le point faible, je comprends pas. Ils ont dit, les joueurs d'Elden Ring sont vraiment des teubés, il faut leur mettre un message pour leur expliquer comment battre l'ennemi. Vraiment très surpris. Qui est ça? H Forge Graph. Ah. Et si je refuse de viser le point faible, tu fais quoi, hein? Plein de petites pierres de forge ici, c'était cool. Et donc maintenant on peut descendre. Ah, petite pierre de forge ici. Faut pas les louper ceux-là. Froumf, froumf, froumf. Merci, merci, merci. Ok. Je peux traverser. Mais je peux aller tout en haut. Du coup, on y va. Et on a un truc là. Ouah, il y a plein de trucs partout. Où est-ce qu'on va du coup? D'abord là? Allez, d'abord là. Hop. Wish. Wish. Stop. Ok. Ouh, you. Dans le jus. Jus. Ah. Non. Ah. Allez. Bien. C'est nettoyé. Et bah il n'y a plus qu'à monter. Et se faire. Ah bah il était descendu l'autre. Après à faire les sauts latéraux. Non.
Voilà. Oups. Dan, dan, dan. Oh, petite pierre de fourchette. Et monsieur, vous êtes là? Vous êtes là. Oh, t'as toute ta vie, toi. Death. Oh mince. Pow. Hop là. Voilà. Allez où? Du coup, pourquoi qu'on est venu ici? Pour ça? Ouh, ça brille. Ok. Eh ben ça c'est pas rien. Oups. Ok, non, ça va. On va aller en face et on finira en haut. Fouish! Genre, il n'y a rien derrière ce mur. Ok. Hey, hop! Attends. Ça se trouve en bas, on peut accéder à autre chose. Eh ben, on peut accéder à la lave. Et ça, c'est quand même vachement bien, quand même. Hein. Bah. Allez. Dernier balcon. Oui, je suis étonné d'avoir raté aucun saut. Dit-il avant de rater le prochain saut. Un machin qui va me tomber dessus là. Hein. Les gars, vous ramollissez un peu, non? Sérieux? Il est où le piège à con? On l'attend. Oh! Il y a le golem forgeron qui caresse le blobby de lave. Ils sont si mignons, j'ai pas envie de les tuer ceux-là. Franchement. Laissons-les, profitez de. Oh! Non, 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 ne m'attaque pas, ne m'attaque pas, non! Non, non! Fais gaffe, t'as une marmite sur la tête. Ah. Ah, ouais, gestion du saut. Ah, qui est mieux. Ouais. Ah, ça c'est pas sympa, hein. Quand même. Ah, j'ai plus de... D'accord. Aïe. Dis donc, t'avais plus que un blobby de compagnie, en fait, c'est tout un élevage. Monumentale erreur. Oups. C'est moi qui fais des erreurs parce que je n'ai plus de... Ah, intéressant. T'as fait gogo gadget au point. Ah, mais je suis stupide. Ah bah il m'a donné son point du coup. Cool. Sympa.
faut viser le juge, juger ses vices. Par contre, j'ai plus de soins. Ben ça, c'est triste. Hein. J'aimerais bien ne pas crever sur ce blobby, mais ça peut arriver. Et on sera pas avec ses sarres. J'ai pas un petit machin consommable qui donne un peu de vie, que je me sente un peu moins nu. Ça va être plutôt par là. Alors je peux boire ça, mais pff, eh, quand même, c'est abusé. Ah oui. Oh bah ça va. Voilà. J'en ai 40 en banque. Avec tous les jarjars qu'on a tués. Échelle. Quoi, y a rien là? Et là, y a un truc affreux qui m'attrape par la grille. Eh, ça, c'est dans Remnant. Hop, grimpe. La dernière mine qu'on a fait de ce genre, enfin, la dernière forge qu'on a fait de ce genre, il n'y avait pas de boss. Il y avait un beau marteau à la fin. Enfin, splat. C'est si décevant ce que je viens de faire. J'ai juste pas vu le trou, quoi. Ridicule. Ridicule. Est-ce qu'on a fait des vidéos sur Remnant 2? Non. On y a beaucoup joué avec Nico. Mais on n'a pas fait de vidéo, je crois. C'est un moyen de se soigner comme un autre. Par contre, comment qu'on saute? On saute. Ok. Ah ah, mais ma vie! Saleté. Eh, la pierre forge au sombre 3, c'est celle qu'il me faut. Il y a un cristal ici. Enfin, il y a une pierre de forge ici. C'était la centième mort. Non. Non. Ah voilà. Bravo. Bravo. Bravo les gars. Sans mort pour finir sur une borne nulle. Ah là là. Pas grave. Pas vexant. On va essayer de se passer tout ça en courant. Hein. Quand même pas grand chose de passionnant ce qu'on a fait. Alors, sinon, il y a 600 000 runes sur ton cadavre actuellement. C'est pas pour te mettre la pression, mais ce serait quand même vachement bien de pas crever. Après, encore une fois, ces runes, je ne sais pas ce que j'en fais. C'est pas très grave si tu crèves. Histoire de s'enlever toute forme de pression. On s'en fout. Dis-toi bien que 600 000 runes, ça se fait en quelques minutes chez Albinono, je crois. Et quel âge quand j'enregistrais ça? 2 ans, je crois. Ouais, il parle plus comme ça maintenant. Je regarde la date des fichiers, tiens. Si tu m'y fais penser tout à l'heure, je te fais ça. Pas. Sérieux? Oh, allez! Tue-le! Mais tue-le! Ah, ok. Gros relou, laisse-moi sauter.
Mais je croyais qu'il lançait ses points. Il peut les récupère si vite que ça. Bon bah voilà, heureusement qu'on était pas stressé de perdre nos runes, hein. Saleté quoi. Juste il nous mitraille à distance. Hein. Mais où? Pas vu venir celle-là. On l'avait jamais vu faire plus de deux fois cette attaque quoi. Après, faut pas trop comparer, hein, mais c'est vrai que Mademoiselle parlait beaucoup plus à l'âge du petit gars. Enfin, quand j'ai enregistré ça quand il avait 2 ans, là, Mademoiselle c'était une pipelette. Et le petit gars, il choisissait bien ses mots, quoi. Et pas mal des sons que j'ai enregistrés, c'est en essayant de faire répéter ce que je disais, mais spontanément, et ça intéressait pas trop, hein, la communication. Non, il papote. Il papote beaucoup. Ah mince, il y avait un cristal de l'autre côté, on dit. Là. Non, non. Ah, pourquoi j'ai pas fait ça avant que j'ai perdu 5000 runes, je ne sais pas, mais écoute, c'est fait, c'est vraiment pas grave. Yes. Ah ok, on est là, parfait. Et alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on a inversé le sens de ça, d'accord. Maintenant, il y a un intérêt à aller là. Parce que sinon, on peut pas traverser. Splat. On va aller voir ce qu'il y a en haut là-bas quand même. Donc là à gauche c'est le début, non? Pas du tout. Mais alors pas du tout. Ah, attends, à quoi ça donne accès de nouveau? Logiquement de part et d'autre à ce niveau-là t'as déjà fait. Vu que c'est à peu près le milieu et que donc ça n'a pas changé. Ok, faut aller en haut. Même si t'inverses le. L'angle d'inclinaison, le milieu, ça reste accessible quoi. Okay. Ah non, c'est moyen d'échelle. Je vais dire sinon ça c'est le retour mais il n'y a rien. Il n'y avait pas d'autres pierres. Ah, désolé pour la caméra. Essayez de voir s'il y a une petite pierre de forge quelque part, mais non. Ah, le trésor de la forge, c'est... Teilou, le golem forgeron. Et une pierre de forge et dragon aussi. Mais attends, non, le refait pas basculer! J'ai pas fini! Ah, bah c'est le début! Il vaut combien? 138 tout de même! Il lance ses pointes à des projectiles. Teilou était considéré comme un bon à rien. Et bien qu'il fut le premier à s'arrêter de bouger, c'est lui qui fut élevé au rang de divinité tutélaire de la forge. Ok. J'en ai qu'un M15, c'est comme ça. Ah, mais c'est que des comme ça que j'ai pas eu de pierre de forge sombre. Ah, il m'en reste actuellement 6, je crois. Lancer de disque. Non. Grand marteau. Force. Intelligence tout de même. Et force dex un de fois. Truc de ouf. Ok. Et bah ça c'est fait. Par contre ça n'allait pas du tout là où je pensais. Crotte.
Comment qu'on va là-bas? Ah, j'ai une idée pour aller là-bas. Pour boucler les choses qu'on avait commencé à faire dans les derniers épisodes et qu'on s'est arrêté de faire. On n'a jamais drainé l'eau ici. Est-ce que j'ai envie de le faire comme ça? Ouais. En fait, j'ai regardé la vidéo parce que je me suis mis quand même ce château, je l'ai exploré, mais n'importe comment. J'ai laissé plein d'endroits sans y aller, et notamment en bas là. Il y a un endroit où je me dis, ah bah ça va être la suite. Et puis j'explore le reste du chemin, ce qui est vraiment la. Ce qui était vraiment à la suite, donc disais-je, et je ne. Plouf, oui, tout à fait. La vie parfois fait plouf. Bon. Et donc, j'ai exploré cette zone en. Mais comment ce saut, on l'a fait? Alors, peut-être pas des dizaines de fois, mais on l'a fait plusieurs fois pour traverser. Et pour y aller, parce qu'on se faisait tuer de l'autre côté. Replouf, mais oui, replouf. Je suis désolé, je suis désolé. Oh là 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 là. Bref, toujours est-il que de l'autre côté, il y a un chemin où je n'ai pas été. Voilà, tout ça pour dire ça. Et maintenant, on y va. Du coup, je me mets une pression de malade pour réussir ce saut. Voilà, c'est le meilleur moyen de rater. Ça fait plif, plaf, plouf, et dans ma tête, il y a tout qui coule. Non, c'est pas ça. C'est occasion de se venger de toi. Parce que maintenant. J'ai ça pour toi. Ah, ah bah dis donc, eh. Ah bah ils sont où les petits projectiles, hein? Ils sont dans ta gueule. Ah! Pardon. Eh ouais! Oh bah dis donc! J'ai envie de te tuer avec une parade. On sent une parade de projectiles. C'était une parade quand même. Ça compte, ça compte, ça compte! Voilà. Oh bah c'est vachement plus facile, dis donc! Saucisse? Saucisse, pardon. Allez, c'est à toi. Faut qu'on te tue un moment, toi, quand même. Ça bait. Donc. Après, je vous avoue que mon plan s'arrête à, au fait, il y a un chemin qu'on n'a pas exploré, mais bon. C'est peut-être important. Je crois que c'est à gauche. Ah, alors déjà, non, c'était alors ça, non. Mais merci. Et... Ah. Allez, tape. Oh, 2600. Oh, ça doit picoter un peu quand même, hein. Oui, 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 oui. Comment j'ai galéré pour la tuer là, l'autre fois. Hein, c'est pour ça qu'on veut jouer les parades, voilà. Voilà, pour se faire plaisir. Je suis vengé un petit peu des petits tocards qui nous ont assailli le projectile. Et de coup. Vengeance. Alors, on pourrait aussi se venger à coup de double espadon sauté. Mais... Bonsoir, en fait, j'ai vu le pot, j'ai pas pu m'empêcher. Ah oui, c'est vrai que c'était ton premier message. Bah écoute, c'est pas grave. Je t'en veux pas de t'avoir dit bonsoir. C'est pas un problème. On parle de plouf, on parle de plouf, et j'ai failli foncer dedans. Ah, ah. Super. Ascenseur. Ah, échelle. Ascenseur. C'était un ascenseur, ça, non? Y a pas de levier. Y a un plafond au-dessus de ta tête, espèce de banane. Bizarre, cette salle, quand même. On ouvre les portes. Y a plus d'eau? Y a plus d'eau? Oh oui.
Oui! Bon, ça va être comme ça qu'on va au château qui est à côté et qui était sous l'eau aussi, quoi. Qui va être plus sous l'eau, du coup. T'as fini de les laisser en long, en large et en travers, donc du coup, tu viens voir comment les autres s'en sortent. Alors ici, c'est quoi ça? Voilà. Mais sinon, bienvenue. Mais quand même, chute, hein. Bah, on s'en sort, je sais pas. Je sais pas comment on s'en sort, j'ai envie de dire pas trop mal, sans une 103 morts seulement. Je passe c'est bien, mais écoute, voilà. Après, on a bien exploré quand même. Il y a beaucoup de morts pour rien. Il y a beaucoup de morts sur Sainte Trina et son nectar, qui est apparemment nécessaire. Il y a beaucoup de morts à essayer d'apprendre à faire des parades, chose que je n'ai pas fait sur mes 200 et quelques heures dans le jeu de base. Donc voilà, ça se fait maintenant. Sur des ennemis pas gentils, mais ça se fait. Yes, par là qu'on descend, trop bien. Yeah! Alors du coup, on a une grosse bête à tuer. La grosse bête, on la fait pas à coup de parade. Du coup. Et qu'est-ce que je mets déjà d'autre? Chaque fois j'oublie. Mince, 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 mince. En fait, je sais pas. Quelque chose. Quelque chose de bien. Allez, hop. Être mort sur un pouce, ça ne devrait jamais arriver. Oui. Du coup, mourir deux fois sur un blowouf, ça n'arrive qu'à moi. Bon, elle est où la grosse bête du coup? Viande de tortue, toc toc tortue. Descendre par là aussi apparemment. Vas-y, là, elle est où la grosse bête dans l'eau qui nous a fait peur? C'est quoi ça? Il y a des crabes. Il y a des crabes. Oui, il y avait déjà des crabes. L'arbre pourri là. Ça s'en passe. Ça s'en passe. Ok, je te respecte. Pas. Touche-le. C'est pas moi, c'est ma caméra qui s'est loquée dessus. Moi, je voulais pas les tuer, mais mon perso avait soif de sang. Des os. Voilà. Bah, il va être là, le gros monsieur. Par contre, attends, on peut améliorer, non, on peut accéder ici à l'ascenseur qui me permet d'aller à la grâce. Oui, merci. Et bien, comme ça, maintenant, on fait la grosse bait. Attends, non. On met du bleu. Allez, le sol tremble. Ouh là là, comment on s'y attendait pas? Ouais, je m'attendais pas à perdre la moitié de ma vie quand même. On peut pas invoquer! Bouffer direct, bravo. Debout? Debout. Oh là là, t'as tellement de vie. T'as pas de petit nom, toi. T'es pas exactement comme les serpents de. Enfin, l'espèce de dragon pourri là. Tu ressembles quand même beaucoup. C'est même pas un boss, bah non. Oh, je l'ai vu. Saute!
enfin roule, enfin bref, fais un truc où tu crèves pas. Congélation, 5000 dégâts. Ah, je me suis un peu enthousiasmé. Tout va bien. La caméra, pourquoi faire ? Rendu. Tue-le ! S'il te plaît. Eh ben merci, c'est vachement gentil. Rempart l'épine. Ok, c'est littéralement l'armure de Kirk. La représentation de l'arbre cube difforme fait office de décret. Et conduisez le monde entier, meurtrissez le monde entier, car le monde nous a abandonnés. Bouhouhou. On vit à l'ombre, on est trop dark. Oups. Je me force à remettre les talismans à chaque fois, je sais que c'est un peu relou, mais sinon je vais jamais apprendre à jouer par là. Voilà. Alors, maintenant, la carte va pas trop m'aider. Là, il y a l'air d'avoir des choses. Alors, on va voir. Ah ! Chouette ! Mince, 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 mince. J'ai merdé. J'avais pas vu que c'était des zombies explosifs. Les parolés, les projectiles. Mais... c'est... les deux d'affilée, ça... ça passe pas, d'accord. Tac. Si, ça passe. Par contre, ça me donne pas plus de munitions. Ah, mais... ah non. Ah, le temps pour faire la parade de projectile est hyper généreux. Ah, j'ai pu. Merde. C'est super long. Attends. Hop. Et hop. Ah. Aïe. Bon, on va peut-être taper le méchant maintenant. Après, il peut pas arrêter de faire ça, lui. Raté. Espèce de spammer! Merde, c'est vrai, j'ai plus de soins. J'ai pas envie de crever sur lui. Il est trop nul. Ah, les flammes, ça traîne. J'irai ça comme un as. Oups. Où sommes-nous? Nous sommes en bas. Très bien. Et quelle est là où il y en a une, nos runes, hein. Un peu naze de mourir sur ce type. Je les ai si bien gérés tout à l'heure. Littéralement le même, quoi. Ok, il y a des petits copains avec lui, mais c'est pareil. Hein. On va se laisser s'entretuer tranquillement. Ah, ouilleux. La portée de ce projectile, faudrait peut-être que je mette à l'utiliser, il est pas mal. Hein. Par contre, c'est moi où t'as remis des zombies de mes deux là. Ok, dis-donc que ça va être lourd. Ah, sur deux qui passe pas. Hein. Pourquoi tu tapes le petit zombie? Mon cou, c'est casse-pied.
Voilà, c'est ça qu'on veut. Merci. Peut-être plus de vie que les autres quand même. Attends, faut que je remette du bleu. Attends, j'ai plus de fuel. C'est bon. Excellent, hein, ces petits projectiles. Eh ben, on s'éclate bien, non? Je veux le faire à la parade, je veux le faire à la parade. Je sais qu'il faut pas. Allez, viens me taper. Tu veux du feu? Tu veux du feu? Tiens! Tiens, tiens, et tiens, et tiens! Voilà! D'abord. Non mais... C'est moi qui ai gagné. Bien. Eh, on sait jamais. Ok, ok, ok. Ouh, ils essaient. Ah, c'est un sceau pour les compétences, très bien. Enfin, pour les incantations, pardon. Sceau sacré des chevaliers de feu sous le commandement direct de Mesmer, lampadeur. Améliore les incantations de feu de Mesmer. Ok. Merci. Oui, on est d'accord, aucun sceau n'a des compétences. Très bien. J'ai eu un doute en voyant ça, je me suis dit, tiens, il n'y a pas de compétences. Bah, non, aucun sceau ni bâton n'a de compétences. Si, il y a des bâtons quand même. Celui de. Renala, il a pas. Voilà, il a ça. Tournigodon ! C'est pas si mal, hein. Pacifié. Ça a l'air pourri comme ça, mais en fait. C'est pas si pourri. Petit coup de tourne-bâton. Un ascenseur encore. Ouh là là. On va où avec celui-là? Graisse dorée. Ok. Mais pourquoi? Ah, ça descend, très bien. Ça va un peu vite pour qu'il y ait un passage secret. Je pense qu'il y en a pas. Allez hop, je décide, j'arrête de vous donner la gerbe. Il n'y a pas de passage secret dans cet ascenseur et puis c'est tout. Non mais... Oh, s'il vous plaît. Qu'on est. Passage de l'arbre vénéré. Oh. Dis donc, c'est vachement mystérieux ce pont. Aller là du coup. Ah, on va pas du tout là-bas, moi je voulais aller là-bas, madame. J'ai essayé le sort violet. Ça, je l'ai essayé tout à l'heure sur les ennemis. C'était pas ouf, mais en même temps je les ai ratés, je crois. Bon, bah je traverse le pont. Hein. Non, c'est bon. Il se passera.
Ah, un autre, d'accord. Donc on pouvait l'utiliser sur le sous-fifre de Mesmer et sur Jojo. Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit marais pourri encore, ça. Poison direct. Base de l'arbre occulte. Ok. Ça sent le boss, hein. C'est genre fort fort, quoi. Ça sent le boss que je vais pas parer, ça. Ça va être un gros machin. Je me permets d'emblée de faire ça. Je le post-parer, ce machin. Il faudrait que je choisisse un meilleur, meilleur talisman quand même. Quand je passe en mode double espadon. Alors pourquoi pas ça, mais c'est pas ouf. Compétence chargée. Est-ce que coup d'espadon est chargé? Suis pas sûr que ce soit une posture. Faudra regarder si. Eh ben attends, je crois que c'est assez simple à voir en fait. Mets tes espadons, du coup. Oh non, j'ai raté! Pardon, pardon, je me suis couru de bouton littéralement. Donc regarde les icônes là-haut. Apparemment pas. Ah mais non, ça améliore les compétences chargées et les sorts chargés. Du coup, il n'y aura pas une icône sur moi. Juste, ça fera plus de dégâts. Pour les tester en fait. Avec les sorts, n'est-ce pas? On y va. Attends. Ah non, faut pas faire ça. Je l'ai enlevé sur l'autre. Bon, c'est pas grave, on a perdu une fiole bleue, c'est pas un problème. C'est ça, tiens. Ça, tiens. Là, on est bien. Alors, vas-y, c'est quoi la pourrie? Ah, ouh, oh! J'étais pas prêt! C'est un tournesol de l'enfer. D'accord. Les filles! À la rescousse! Ah! Elles sont déjà fait défoncer. Super. S'augmenter la défense sacrée, je crois. Oula. Ah bah fais ça, fais ça, fais ça. Oh non, j'ai raté. J'ai raté encore. Je l'ai touché. 500. Là, je suis bien. Oh, puis j'ai pas hâte de la deuxième phase, hein. Oh, je le sens pas. Bon, après, les chiffres sont petits, mais le bout de barre de vie que ça prend est gros, donc on s'en fout. Phase 2. Jojo est presque plus là. Ça touchera pas, ça. Allez, j'y vais. Ouya! Rapide! Ouya! Oh! Ah, oh, ah, oh, ah, oh! Eh, on connaît ça! Ah! Ok! Ah, c'est trois coups! Je sais pas qui irait, si c'est Anna ou si c'est Jojo, c'est Anna. Allez Anna! Allez Anna! Allez, 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 allez! Oui! Phase 2. Ça sent pas la mort, ça. Ah!
mince. Je pouvais l'exécuter à la fin et... Oh merde. Phase 2. Chouchou. Aïe aïe aïe. Ok. Pian. Pian, 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 pian. Whip. Ouais, magie, feu, foudre, a priori, il fait pas. On va mettre le max sur la sacrée. Et... Ah. Ah. On va mettre ça, du coup. Ah, ça va être attaque sautée en boucle, hein, de toute façon, au pied de l'arbre, et on y va. Ouais, est-ce que tu me laisses faire? Sympa. Allez, ding ding. Ah, oh. Ah non, pas maintenant. Est-ce que si je fais l'exécution, il n'y a pas de deuxième phase? Mais je pense que si, il y en a une. C'est juste un petit trollolol. Mince. Très bien. Pourquoi je touche pas? Allô? Eh hey, oh! Pas l'autre, et... D'où on te touche plus? Ah, c'est bon, elle défend les dégâts, c'est bon. Oh, GG. Timing. Pas bon, ça. Et on remet ça. On y va. Mince. Allez. C'est pareil. Il y a quand même la deuxième phase. Très bien. Ouf, direct. Ah, la vache. Oh, ça va vite. Encore. Ok, c'est fini. Très bien. Ok. Le troisième coup. Yes, à moi. Ok, une fois que t'as fait chouchou, c'est les mêmes attaques, très bien. Allez. On se remet ça, pendant que les filles sont là, et on y va. Bien. Ah non, c'est partout autour de lui, mince. C'est ce qu'il y a avec une roulette, ça. Tu vas faire chouchou, là. Je te vois, je te vois. Ah, merde. Bois. Chouchou. Ok, ça. Très bien. Aouh. Je gère mal. Ah, je gère très mal. Non, pas maintenant, Lulu. Pas maintenant. Ah, ça va. Ah, il enchaîne. Saleté. Les filles sont plus là, très bien. Allez, viens. Okay. J'ai plus de soins. D'accord. Ah, m'oblige à mieux jouer.
Ok. Ah, puis qui me dit pas qu'il n'y en a pas un troisième, hein. Alors, à moins que ce soit un trollolol pour te dire il faut faire un truc pour que ce boss n'ait qu'une phase. L'arbre vénéré. Est-ce que j'ai pas mieux au niveau dégâts? C'est bien mignon mes attaques sautées, mais. Je suis sûr que Tiché, je ferais mieux que Jojo et Anna, mais. C'est pas pour ça qu'on va changer. Moi je peux faire ça. Ding ding ding. Aïe. C'était une chope, très bien. Ça fait pas tant de dégâts que ça, franchement. On a connu pire. Elle. Ah, merde. Comment ils ont pu rendre un tournesol effrayant? Franchement, sa tête est trop flippante. Faut rouler, Juju fait quelque chose, bah, t'as juste rien fait là, t'as pris. Et bah je suis ravi que c'est vous qui ayez pris les filles, merci. Tape. Et encore. Non, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, tu le. Allez, il boit. Yes. Peut-être faut l'achever avec une arme spéciale. Et il fait toujours ça. Au moins, si t'as pris contre un... Ah, il enchaîne maintenant. Si t'as pris contre un mur, au moins, il est pas à fond de vie. Étrangement. Ça s'esquive en sautant, très bien. Esquive d'abord. Oh merde. Ok. Ça c'est juste la porte d'entrée pour se faire zizir. Aïe. Pourquoi mon perso s'est retrouvé claqué au sol là? Vu. Vu. Hey! Chouchou! Encore? Chouchou! Chouchou! Et moi je fais ça. Et on y va. Allez! Juju! Aïe! Baf! Ah, ce petit coup en reculant, c'est trop chiant. Donc, si tu le prends et que tu essaies de te soigner, il fait ça derrière et tu le prends aussi. Allez, c'est maintenant. Ah ouh. Ah. Oh bah tiens. Je l'avais pas vu celle-là encore, je crois. Je la respecte pas assez.
Eh bien, je pense qu'on va se faire une dernière tentative et ça va aller pour aujourd'hui. On pourrait être là un moment. Faudrait que Jojo et Anna soient encore là sur la deuxième phase, ce serait quand même vachement mieux, c'est sûr. On peut faire ça maintenant, c'est pas interdit. On rentre et on se prend pas direct un tir. Peut-être. Si, c'est gratos. C'est pas grave, c'est dans la bulle. Hein. Ah, mais je vois pas. Où tu cours? Ok. Là, ça vaut le coup de mettre mon truc de congélation. J'ai pas l'impression qu'il serait du tout sensible. Ok, ça c'est ok. Merde, j'esquive pas. Ok, ça c'est bien avec une roulade. Pas du tout en sautant comme je le pensais. Très bien, on va y crever. Hein. Ah, elle est passée. J'ai pas fait la roulade. J'ai juste pas fait. Pas de respect, vise les filles. Moi je me fais plaisir. Je prends trop de dégâts sur cette première phase aussi. Hein. Je suis un peu nul. Ah, 3 coups. Et 4 évidemment, bien sûr. Ok. Après les filles ont bien défoncé pour l'instant. Ah, je pense qu'il y en a une qui meurt là. Ah, pendant qu'il fait ça, on peut pas le taper, ça y est, j'ai compris. Ah. Ça s'éloigne du point d'impact. Ah, ça s'éloigne du point d'impact. Ça apparaît de manière retardée, plus c'est loin du point d'impact. Pardon, j'arrive pas à parler. Trop de puissance VR. VR rien, je joue comme une merde, au secours! Nya. Ah, mais elles vont toujours crever sur cette attaque en fait. Il suffit. Ah, ça. Peut-être que j'aurais pas les appeler au début. Flamme. ...267 seulement. Non, c'est 500. Voilà, ça c'est mieux. Ah. À chaque fois. T'es nul. Tu mérites de crever. Voilà. Petit der. Je suis pas très fier de cette dernière tentative. Bah peut-être bien. Allez, petit der. Par contre, peut-être qu'on va passe le faire avec les espadons vu que le froid a l'air d'à peu près rien lui faire. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Juste en termes de dégâts purs sans prendre en compte la congélation, je pense que c'est mieux. Peut-être que du feu serait pas mal. C'est un arbre. Quel cas. Ouais, mais j'ai plus de dext. Ni la force. Ni la foi pour jouer cette arme-là. Enfin, j'ai la foi, mais. Plus autres stats. Bah ça fait du feu, hein, t'es au courant? Le savais-tu? Du coup par contre c'est pas des attaques sautées que je fais, c'est des enchaînements d'attaques. Et on va essayer de sortir des petites tornades de feu, donc on garde ça bien sûr, et bah, c'est tout. Et on va pas maintenir la posture. Et puis voilà. Allez. Ça a pas fait la cloche.
Diding, diding. Ah, du coup, ça me bouffe tout, tout mon bleu. À quoi? Ah, c'est beaucoup plus risqué qu'une attaque sautée, bien sûr, mais... Peut-être que des attaques normales seraient mieux. Oui, c'est mon risque. Il n'y a pas l'enduit. Donc quand il fait ça, à la fin, je peux lui balancer. Ah, il est bien invincible jusqu'au bout. Hein. C'est moi où dans la tête, il a pris énormément de dégâts. Votre sacrifice ne sera pas vain, les filles. Ok. Qui l'eût cru? Le double espadon n'était pas la bonne réponse pour ce boss. Voilà. Yeah, yeah. Et bien sûr, moi, bien sûr, moi. Non, laisse les filles tranquille, sale type. Il ose, il ose, il ose. Ah, par contre, bah, merde. Oh, j'ai raté ça en plus. Quel naze! Oh, nom de foi! Il avait toute sa vie cette fois. Parce que je lui ai pas fait d'exécution, c'est ça le truc? On va esquive. Et il enchaîne toujours ça. Là je peux me guérir. On y va. Ouais, mais cette fois je suis tout seul. Que ça? Très bien, très bien, très bien, très bien. Ah ouh! C'est pas se soigner tout de suite, pute. Ah, mais on n'y voit rien en plus quand on se fait toucher, c'est vraiment la double punition quoi. T'as perdu la vie et en plus tu peux pas esquiver l'attaque d'après. Haha! Dans ta gueule. Leg. Ok, on sait ce que tu vas faire du coup. Faut que t'arrêtes de prendre cette attaque, hein. C'est ridicule, monsieur. Il a perdu que ça comme vie. Au secours! Mais au secours! C'est-à-dire que d'habitude, il commence cette phase avec ça comme vie. Et quoi le fuck? Ça sent la renaissance vite fait pour partir en full feu, avec plein de talismans pour booster les attaques de feu, avec que des armes de feu, juste pour ce boss de merde. Allez, c'est pas grave, on y va. Ah, c'est pour moi. Ça m'a surpris. Je m'y attendais pas. Oh putain. Il n'y a que deux roulades parfaitement enchaînées qui t'empêchent de te faire toucher. Ok. Ouais,
Bon, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Faut pas du tout jouer l'arme, faut jouer la compétence à donf. À donf, à donf. Alors viens là que je t'enlève de la vie pour tout à l'heure. Merci. Enfin, j'espère, on va voir. Tu sais quoi? Tiens! Ah, ça lui a bien enlevé de la vie, très bien. Faut absolument faire l'exécution parce qu'il va y avoir une troisième phase, je le sens, mais énorme. Pas pour moi? Complètement pour moi. Fais gaffe parce que certes ça fait des dégâts ça, mais il enchaîne beaucoup plus sur cette phase là. Je pense que ça fait plein de dégâts cette compétence parce que ça touche la tête en même temps. Je suis presque sûr. Allez, c'est pour moi. Allez, 6 fioles, midlife, on a compris le boss. Bad. Il était fiché quand même. Allez, 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 on va là. Ah, chouchou. Ah non. Juste un coup de boule. Il y a encore les filles, donc on fait du feu à donf. Ah, il fait la chope. Je peux me soigner, du coup. Et on enchaîne. C'est pas grave. Chouchou. T'as l'air fatigué, là. Si on ronce. Ah, j'ai mal géré. Ouh, j'ai très mal géré. C'est-à-dire que le jeu ramait de ouf quand il l'a fait aussi. Ça a rallongé vachement cette animation, c'est trop bizarre. Je m'en fous, j'y vais. Allez, t'es mort. Ah non, t'es mort. Allez, phase 3. On le sait, on le sait, on le sait. C'est une sorte de... comme le duo Sanctocher là. Faut lui vider sa barre de vie à force de l'exécuter. On a compris. Sauf si la musique s'arrête. Non, non, mais c'est pas fini, c'est pas fini, évidemment. Allez, c'est parti. Ah, pétain, j'en ai marre d'avoir raison. La musique est triste, hein. Ah, merde. Allez, se roule. Oh. Ah, j'ai plus de fioles. On va pas force le faire au feu, je vais crever trop facilement. Ok. Donc ça sert à rien de s'éloigner de ça. Mais esquive, Juju, en fait, et puis jamais vers l'arrière. Vaut mieux retourner sur le point d'impact, c'est beaucoup plus simple à esquiver. Petite DR. Je sais, il l'a dit mille fois, je sais, et puis il est 7h, et je ferai arrêter depuis un moment. Allez. Allez. Ah. Sinon, est-ce que j'ai des trucs qui bougent juste les attaques de feu? Est-ce que ce sera mieux que ça? Je sais pas. J'ai un truc sur le magma. Aïe. Ah oui. Allez, ça c'est pour crever, c'est vrai. Après, ça me baisse de combien? Pas énorme. Allez. On y croit. Et... non, on laisse les filles. D'évidence, la troisième... punaise, la cloche. Pourquoi l'animation s'est pas faite? Bordel, là. Pardon, on l'engage. Allez, on y va. Johanna qui s'est fait défoncer gratos. On est content. Juste pour le plaisir. Allez. Voilà, ça, c'est des dégâts. Ça, c'est des dégâts.
Voilà, comme ça qu'on esquive cette attaque, Juju. Ah, c'est pas le moment de faire ça, du coup. Soigne-toi. C'est osé de se soigner à ses pieds alors qu'on sait pas ce qu'il est en train de faire. On revient vers lui. Merde, c'était un peu tôt. Ah merde, c'est pour moi. Roule forever. Ah. Oh. Elle compte pas, du coup. Ah, oh, on est d'accord. Voilà. Pas elle compte pour le compteur de mort, mais elle compte pas pour la petite DR, quoi. Évidemment. Évidemment. Je garde les filles pour après. Oh, ça me permet de défoncer les premières phases sans trop m'embêter. Je trouve que je préfère les avoir. Mais... punaise, tu passes la porte et ça compte pas encore comme un endroit où tu peux faire une invoque et du coup t'as ton perso qui fait comme un couillon là. Pas agréable, hein. Merde. Oh, je fais de la merde au secours. Allez. Essaye de te mettre devant lui pour que les flammes touchent la tête aussi. Hein. Je crois que c'est ça le secret du dégât là. Clairement. Maintenant. Yes. Alors, vérifie que c'est pour toi. C'est pour toi. Super. C'est bon. Ça c'est le bon moment. Non, roule. Juju, t'es trop bourrin là, t'es trop bourrin! Mais quel idiot! Oh là là! Bah, c'est la phase de régression, c'est classique. On arrive à la dernière phase du boss, on se dit ah ça y est, on peut le passer. On est impatient, on merde complètement le début. La base. La base. Allez. C'est normal. J'espère qu'elles ne se sont pas pris ça. Non, c'est... Et... c'était sûr. Au son. Dommage quoi. Allez, on se guérit tant qu'on y est. Alors les filles, mettez-vous loin de moi. Ah, la caméra. Merci. Ok. M'a surpris là avec cette attaque. Qu'est-ce qu'il fait d'habitude? Très récompensé. Et l'une. Trop bon. Hein. Ah, Juju, le timing. Oh, le timing, Juju. Très long ça. Voilà, allez, 4 fioles, midlife, chouchou. Allez, cours lui après. Allez,
peut le faire là. Peut-être. Non. Oh bon. Je passerai jamais ce boss comme ça. Trop bon. J'ai trop envie de lui enchaîner des compétences pour lui bouffer sa barre de vie. Cette compétence est trop longue. Cette compétence est beaucoup trop longue. On se tape forcément l'attaque qu'il y a derrière. On se la tape pas quand il y a les. Quand il y a Jojo et Anna, mais sinon, à chaque fois, c'est un coup dans la gueule gratuit, quoi. Donc. Voilà, je ne sais pas. On peut se le tenter à coup de miracle, à vite fait. Vite, vite. Juste pour voir un peu ce que ça donne avec des trucs de feu un peu mieux que ça, s'il te plaît. Ça. Pourquoi pas ça? On peut partir sur le magma avec le pendentif de Bale. C'est où? Voilà. Pourquoi pas. On peut se le tenter comme ça, vite fait. Avec. Du coup, plutôt pas ça, plutôt ça. Et un truc qui booste les incantations. SWR, il est où? Là. Et une arme qui ferait que des dégâts de feu, ce serait vachement mieux que tout ce que je suis en train d'essayer de faire. Hein. Mais bon. Après, apprendre le timing de ces conneries-là, ce serait quand même mieux que de se taper à chaque fois. Et dernier. Pourquoi je peux pas faire couler de magma? Ce sont des sortilèges. Ce sont pas des incantations. Bah super. Génial. Excellent d'avoir mis le truc qui booste les incantations du coup. Ah c'est super lent du coup. C'est moi, c'est naze. Peut-être pas naze. Non, j'ai plus. Ah, c'est que la première phase. Hein. Mais pareil, une fois qu'elles seront plus là. Hein. Que sur la première phase, quoi. Faut que je remette mon épée de Ricard en fait. C'est un blasphème de l'enlever. La bonne blague parce que c'est la lame blasphémateur qui respecte. Ouais, ouais, ouais. Pas sûr que ce soit comme ça qu'on y arrive. Mais bon. Écoute, on est là. Hein. Je sais pas si c'est plus rapide que. Enfin, c'est sûrement. Est-ce que tu peux bloquer le boss, s'il te plaît? C'est sûrement quand même plus rapide que la compétence complète de feu là. Mais trop tôt Juju en fait, il est à des kilomètres. Faut le prendre en compte ça. Un peu déçu hein. Ouais, faut le charger forcément. Ah quel con. Ah non, je peux. Naze. Mais il vaut mieux se forger vite fait une lame de base. Je sais plus si j'ai la lame pour faire des armes de feu, mais.
Mais une petite lame de base là, plus 25, où on met des dégâts de feu dessus, je suis sûr que ça va le défoncer. Quoi. Ce sera mieux que tout ce que je suis en train de faire là. Après, deux armes avec une double attaque sautée, comme on sait si bien les faire, ce serait beau. Allez, tue-moi, ce sera la prochaine fois du coup, je vais me préparer ça en off. On va faire un petit tour à la table ronde, on va s'équiper avec des armes qui vont te faire bien bien du mal, espèce de petite torture. Je peux checker vite fait, ça se trouve j'en ai déjà. Hein. Le problème c'est que ça passe aussi par potentiellement une renaissance si j'ai pas un truc qui est un tes fois, mais est-ce que j'ai pas vu passer. Ah j'ai ça. De la nuit ardente. Fais-tu des dégâts de feu, madame? Noctflamme. Je ne sais pas si c'est des flammes. Ah j'en ai deux. Ça, ça tombe bien là. Il me faut un ennemi pour voir si ça fait des dégâts de feu. N'importe quel ennemi. Si c'est le cas. Prennent plus de dégâts de feu. Ah oui, non, c'est vrai, t'as raison. C'était peut-être plus parce que je faisais des dégâts dans la tête, tu veux dire? Qui prenait tant de dégâts avec l'autre. Ouais, c'est possible, c'est possible, c'est possible. T'as l'air d'être pas du tout du feu, ce truc. C'est ballot. C'est pas intelligence et de la foi. Ah, je crois qu'il y a qu'elle en intelligence et foi. C'est bien dommage. Après, c'est peut-être avec la posture. C'est mignon. Ah. Bah, les voilà, les dégâts de feu. Ok, avec ça, ça peut peut-être le faire. Mais une seule suffira, du coup. Le problème, c'est que j'ai... J'ai de quoi. Étant donné que c'est le bon archétype... Que j'ai pas à renaître, on peut se tester ça vite fait. J'ai pas de rune, mince. Allez hop. Voyons voir. Ah, pour les coups sautés, ça aurait été mieux d'avoir les deux. Du coup. Eh ouais, ce sont des incantations, les trucs de lave. C'est ballot. J'aurais jamais le temps de placer ça. Hein. Ça l'a pas touché, je crois. C'est un peu triste. Ah. C'est ambitieux. Aïe. Pas grave. Alors, j'ai entendu Ding Ding, mais je ne vois pas mes copines. C'est normal. C'est juste la baisse. D'accord, très bien. Bah, je peux pas les appeler. Et elles sont pas là. C'est super. Alors, c'est peut-être juste un manque de points de compétence. Ça doit être la fiole qui a fini pile quand j'ai fait le truc, mais
Si on entend Ding Ding, elle devrait être là, non? Un peu dégueulasse. Alors, ça... c'est sûrement faux du bleu pour faire ça, j'ai vu. Tristesse. 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 Ah! Quand même les dégâts de feu, hein! Merde. C'est passé. Ah. C'est pour qui? C'est pour. Et puis, je vous paie pas pour faire de la figuration! Ok, si je mets ce coup là dans la tête, c'est la teuf. J'aime bien cette épée en plus, elle est cool. Avec son truc de posture et de double élément. Là. Plus je peux l'équiper en double. Et ça c'est quand même trop. Ok. Merde. Ouais, dans la tête, dans la tête, dans la tête. C'est ça le secret. De la musique triste. Attends, ah, il fait ça. Ok. Allez! Allez! Non! Ah merde! Les filles sont là pour faire diversion complètement. Je prends le début du combat plus sympa. Patience, 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 patience. Lecture. Oh, ah, on passera ce boss parce qu'on a été malin sur l'équipement. Ah, d'où tu fais trois fois l'explosion maintenant, sale bête. Oh. Ah. Troll. Donc ouais, on passera ce boss et parce qu'on a été malin sur au fait notre équipement marche pas, va changer. Il y a quand même moyen de taper plus fort que 500, c'est pas normal que ça fasse si peu de dégâts. Et... parce qu'on a compris ses attaques. C'est pour ça que ça marche. Voilà, c'est la bouboule. Dommage. Oh merde. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Ça fait pas très mal ça. Non, fais pas ça! T'as les filles à tes pieds, tu me fais ça, saleté! Petit dégât de zone sur cette shop, super. Putain, les dégâts! Moi aussi je fais mal. Ah je suis gourmand. C'est con du coup. Bon, c'est pas grave, c'est juste une seule partie dans le vent.
vidéo. Non, faut pas faire ça maintenant, t'es débile, t'es juste idiot. Bon, bon, c'est un échange de dégâts quelque part, hein. Mais bon, c'est pas très mal. Allez, c'est pas grave, on est au propre. Il va faire les épines, non, il fait les tournicotons. C'est trop gourmand. Après, pour faire 4000 dégâts, moi, c'est un échange que je fais avec joie, hein. Ah, Juju! En plus, il y a une ronce qui te pousse dans une autre. C'est dégueulasse, t'attaques quand t'es mal placé. Punaise. Allez. Allez. Ok. J'ai plus qu'une fiole là. Oh, oh. Bon, c'est pas grave. C'est la DR. On le poste la prochaine fois. Y a aucun souci. Pas grave du tout. Tu t'as dit qu'il fallait pas t'éloigner quand il fait ça. Parce que là, tu y mets un coup qu'il met midlife. Voilà. Tu refais ça, il est mort en fait, hein. Allez, allez! Non! On perd ses 3, on m'a dit. Allez, fin du combat. Ciao, bonne soirée tout le monde! Merde! Si, c'est gagné. C'est GG! Ah, si, c'est la dernière phase. Ah, y a pas d'exécution cette fois. Oui! Oui. Ah bah ça, ça fait du bien quand même. Bien. Ah, j'allais laisser ça équiper. Un tout petit peu de Theorycraft. Un soupçon de persévérance. Un petit peu de lecture d'attaque. Et voilà. Mince, pardon. Je fais n'importe quoi. Je vais remettre ça quand même. J'aime bien cette épée quand même. Hein. La Noctoflamme. Là. On l'a pas joué dans le let's play, mais. Enfin, l'épée de la nuit ardente, pardon. Mais avec ces deux trucs là, pareil. Hein, c'est un peu la lame jumelle de Relana avant l'heure. Hein. Un truc qui fait de la magie avec l'intelligence. Un truc qui fait des flammes avec la foi. C'est quand même sympa à jouer. Hein. Peut-être que. Au lieu de mettre mes doubles espadons de la lune noire, même si c'est la Moonlight Sword, je montrerai l'autre. Il faut que je chope des pierres de forge. Mais peut-être bien que je ferai ça, parce que c'est quand même plus marrant. Et ça colle mieux à notre archétype. Et ça tape super fort, il y a moyen que ça tape même plus fort que l'autre. Donc il me faut juste une pierre forge 3. Faire ça vite fait. Allez, touche la grâce, Juju. Ah, il en a fallu beaucoup de feu, ouais. Et merci à toi d'avoir suivi cet épisode de Rogue City. Je joue à Elden Ring Shadows of the Erdtree. J'espère que ça a plu. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.